Je voudrais vous faire un condensé des exemples que nous avons vus et tenter de répondre à la question à quoi sert la vidéo pédagogique dans un MOOC ou autre. On a vu des vidéos qu'on appelle diapositives. Donc on pourrait imaginer, sans vidéo, juste des diapositives sous format PDF avec un texte descriptif, donc une ressource. On peut lire et relire à son rythme le texte, ça permet d'améliorer sa lecture. Mais par contre, au niveau du prof, ben, l'écriture de ce texte est longue et ça peut être une perte de temps. Avec la vidéo, on a des diapositives avec un prof qui parle et puis l'audio amène de l'intonation, de l'accentuation, des bruitages. Le visuel, on a vu la gestuelle, le regard, la focalisation peut montrer des choses. Il y a improvisation possible qui peut mener à un gain de temps et également tout l'aspect dramatisation, l'attitude, la transmission de la passion. Il peut également surprendre, interpeller, inspirer, persuader par la présence humaine, par la narration, par la voix, par l'aura ou le charisme. On a vu des vidéos expériences qui permettent d'observer un phénomène, un équipement qui est peut-être large, microscopique, inaccessible, cher, dangereux, difficile à observer sans équipement spécial ou alors avec un design expérimental complexe. Vous avez ici des exemples en chimie, nucléaire, spatiale, astronomie, météo, biologie, nanotechnologie, physique, etc. Des vidéos tutoriels ou comment faire, il suffit d'observer des étapes ou des procédures à exécuter, c'est très bien pour des tutoriaux d'informatique. Des vidéos à composantes temporelles qui permettent d'illustrer des principes dynamiques ou en mouvement, par accélération, par ralentissement. On utilise les propriétés intrinsèques de la vidéo, par exemple montrer comment marche un pendule, des ressorts, les rebonds d'une balle, pour montrer en ralenti des crash tests ou en accéléré une plante qui pousse, pour montrer des vitesses de chute indépendantes de la masse dans du vide, etc. On a vu des vidéos multidimensionnelles. C'est pour observer un phénomène qui n'est pas facilement réductible à une dimension. Alors un exemple vraiment parfait, c'est filmer des interactions dans un groupe et utiliser cette vidéo comme un cas d'étude, ou filmer des débats et utiliser ces débats-là comme des cas d'étude, pour par exemple étudier le comportement humain. Des vidéos d'illustration, d'abstraction. Il y a des vidéos très bien faites qui permettent d'illustrer des théorèmes ou des principes abstraits ou des concepts abstraits, par exemple sur la poussée d'Archimède ou le théorème de Pythagore ou les trous noirs, théorie de la relativité qui est également bien explicitée dans certaines émissions télévisées, ou la physique quantique. Les vidéos dans l'espace 3D qui permettent une observation, une illustration de choses tangibles, c'est-à-dire qui existent vraiment dans le monde réel et qui sont donc en espace 3D, par exemple pour la géométrie spatiale ou pour le design d'objets, où on peut imaginer des cours d'architecture où on va se déplacer dans les bâtiments en 3D. Les vidéos sur le terrain qui permettent d'avoir une photo visuelle du site, et pas qu'une photo mais également une vidéo, et observer des différences d'échelle. On peut aller sur le site pour voir la grandeur d'une certaine chose, visiter des centres de données de Google, par exemple des tribus en Afrique, pour voir un processus de production comme des chaînes de production de voitures, des chaînes de production d'avions, etc. Ça permet de se faire une comparaison entre l'échelle en laboratoire, une petite expérience, versus une échelle réelle grandeur nature. On a les vidéos mécaniques, outillage, où on peut montrer des méthodes et des techniques de mécanique, d'outillage, par exemple comment montrer certaines choses, certaines parties de la voiture, du moteur, comment monter certaines parties d'un avion ou d'un vélo, comment utiliser des outils en électronique, en audio, etc. Des vidéos performance en art, par exemple pour montrer une performance de cinéma, de peinture, de sculpture, de musique, de théâtre ou de dessin, on va utiliser des cas d'études avec des artistes en action. Des vidéos d'analyse visuelle, par exemple visualiser des fréquences d'un fichier audio, l'analyse de Fourier, des fonctions mathématiques qui sont beaucoup plus montrables sous format vidéo puisqu'ils ont des composantes temporelles et audio. Des vidéos plus synthétiques qui permettent de condenser l'information par montage, une information qui serait autrement riche, par exemple si on l'écrivait sur un texte. Les vidéos événements ou histoires pour archiver des événements historiques et les utiliser encore une fois comme des cas d'études ou pour analyser des situations comme le printemps arabe où on a collecté de multiples vidéos par exemple prises sur des téléphones portables et on les utilise dans des formations.